Hey, c'est tout le monde, c'est Hazard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau top 10. Et aujourd'hui, les gars, on envoie du très très lourd. On envoie le pâté. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti de top 10 parce que, avec les examens et tout ce qu'il y a à côté, le boulot, etc., j'avais clairement pas le temps de me mettre au montage. En tout cas, j'espère que ce top 10 va vous plaire. L'objectif aujourd'hui est de 900 likes pour ce top 10 et je compte sur vous. C'est gratuit, ça bouffe pas de pain et ça prend 2 secondes. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. On commence tout de suite à la 10ème place. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. C'est parti. Donc pour cette 10ème place, on est en compagnie de Le Bossman qui est sur PS4 en ranked et il rentre objectif et nous fait l'1 moins 3. Énorme, GG à toi. Donc à cette 9ème place, c'est plutôt en compagnie de Rage. Sonic va commencer par une première élimination sur le Blackbird. Et oui, il va nous réaliser une full team en ranked. Je précise qu'ils étaient en train de se faire mener 2-0 et le mec, il va leur mettre une full team. Je pense que les ennemis ont pris un peu trop la confiance et ils jouent vraiment safe, ils jouent bien les cams et ça, c'est très joli et ça fait très plaisir à regarder. Il enchaîne le petit Jackal et il va tenter une sortie qui au final ne va rien donner. Il a un peu paniqué, j'aurais fait pareil que lui, je joue en montagne devant. Il joue plutôt la sécurité et au final, il va quand même faire la -3 assez rapide. Donc il se doute bien évidemment grâce au ping qu'il y a des ennemis derrière le montagne. Il va regarder ce qu'il y a, il voit un petit glaze et il n'a pas peur, il le tente quand même. Et il enchaîne direct la tête sur le montagne pour la double élimination, double tête. En tout cas GG à toi, il va simplement rusher le dernier pour nous réaliser cette full team. Énorme, GG à toi poteau. Donc à cette 8ème place, on est en compagnie de Sukiyaki, toujours sur la même map et en ranked. Il va nous réaliser une clutch 1v4 ultra rapide, ultra nerveuse et ça m'a beaucoup plu. Énorme GG à toi. Donc regardez, il commence avec une première double, il aurait 5 balles dans le chargeur et avec ses 5 balles, il enchaîne encore 2 mecs. Énorme GG à toi et ton clip était vraiment magnifique, tu mérites largement ta 8ème place. Donc à cette 16ème place, les potos, on est en compagnie de Ghost09002 qui va nous réaliser une full team et c'est un hacker parce qu'il va nous faire 3 wallbangs dans sa full team. Et oui les gars, vous avez bien entendu, 3 wallbangs sur 5 kills. Donc il commence déjà avec une première triple élimination vraiment très 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 rapide. Et il va tout simplement défendre l'objectif, personne va y rentrer, c'est sa casa. Et là il prend une toute petite ligne, l'ennemi va montrer sa petite tête, il va en faire déjà la -4 et il enchaîne le dernier en wallbang. Très bonne communication de la part de ton équipe et toi tu as vraiment géré, tu mérites largement cette 7ème place. Donc à cette 6ème place, on a en compagnie de Wolf007 qui va nous réaliser une full team sur la map gratte-ciel. Donc il va commencer avec une première double avec un shoot un petit peu compliqué dès le départ. Je pense que c'est dû au fait que tu n'avais pas de viseur sur ta MP7. Il va enchaîner le sledge pour déjà une -3 et va simplement finir ce clip avec deux sorties. Je vous laisse avec sa réaction. Donc à cette 5ème place, on a en compagnie de Smash Factors qui va nous réaliser une full team en ranked sur Favela. Il commence comme un petit salopard, spawn kill C4, donc il y a un ennemi qui tombe et il va tout simplement enchaîner les ennemis tranquillement. Là il a été un peu surpris par le H, nous avons entendu la virilité dans son cri. Il y a un petit décalage son au passage, c'est vraiment pas très grave. Donc là il drone, il cam, et il voit que Termit prend le rappel. Il fait quelque chose de tout à fait banal que j'aurais fait également, c'est sortir le chercher. Et là quand il va rentrer, il va y avoir une petite surprise à l'intérieur pour lui. Le sledge qui était là comme un salopard, comme un petit fourbe. Et il va enchaîner le dernier ennemi pour cette full team en sortant dehors dans le plus grand des calmes. Énorme, GG à toi. Full team, ma. Donc à cette 4ème place, les boutons d'un compagnie de OCT Arthur qui va nous réaliser une full team en ranked en tenant tout le temps la même ligne. Il a fait son trou Ibana et maintenant il a fini sa manche, tu vois, il est là, il prend sa ligne tranquille et il bouge pas. Je précise qu'on est sur PC, des clips PC on en voit pas souvent, donc je te remercie vraiment à toi de m'avoir envoyé ce petit clip. J'ai l'impression que sur PC c'est bien plus nerveux niveau gameplay, ou je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, énorme GG à toi pour 7-5, on va dire que t'as été assez patient et ça a fini par payer. Énorme GG à toi.
Donc à cette troisième place, les potins en compagnie de Matisse qui va nous réaliser une full team sur Favela en ranked bien évidemment. Et il va déjà commencer avec une première moins 2 et là il va enchaîner le smoke au cut. Il a vraiment eu beaucoup de chance que le smoke avait sa bouteille de gaz en main, sinon je pense que tu serais mort mon pote. Donc il va tout simplement rusher l'ennemi qui est dans l'angle, ce qui paraissait logique comme il n'y avait personne ailleurs. Et là il prend la ligne parce qu'il avait vu la Cavera pour cette full team. Énorme GG à toi. Donc à cette deuxième place, on est en compagnie de Milou01 qui va nous réaliser une full team spoon kill ranked. Oui, le mec il a pas le temps de niaiser, donc il commence avec une première triple élimination et il va ressortir. Et je précise, oui, nous sommes en ranked. Énorme GG à toi. C'est qui le papa, les gars?